qui t'arrive? Bah, regardez l'horizon et je me demandais pourquoi on voit pas de terre. Ah, bien c'est parce que là, on est entre Gibraltar et les Canaries. Et on n'est pas encore en plein milieu de l'océan Atlantique, mais on est très loin de la côte. Tellement loin qu'en fait, on peut pas voir la terre. C'est fou ça. La mer est si grande qu'on peut pas voir la terre. Oui. Mais du coup, comment on fait pour se repérer? Ah, très bonne question. Viens, je vais te montrer. Dans ton saloon. Viens t'asseoir à côté de moi. Saint-Victor. Oui. C'est une carte. Oh. Et ici, c'est la table à cartes. C'est là où tout se joue. On est parti de Gibraltar qui est là. Et on va vers les îles Canaries qui sont là. Et donc nous, on passe par là. Et en fait, on va être tellement loin de la côte qu'on va pas la voir. Et cette carte, elle nous donne plein d'infos, et notamment la profondeur de l'eau. Comme ça, ça nous évite de nous échouer. Et alors, pour savoir dans quelle direction on va utiliser ceci. Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est un compas. Ça permet de savoir l'angle que fait le bateau par rapport au nord. Ça nous donne le cap. En fait, maintenant, on est sur ce point-là. Et on sait qu'on va aller sur cette île-là. On va utiliser une règle qui s'appelle la règle de Kra, parce que c'est un amiral qui s'appelle Kra, Monsieur Kra, qui l'a créé. Et en fait, avec cette règle, on va pouvoir savoir quel est le cap qu'on doit suivre pour pouvoir aller jusqu'à l'île qu'on veut. Et ensuite, on va dire au barreur, celui qui est en train de barrer le bateau, donc de le piloter, à Boris, de suivre le cap qu'on a indiqué. Et alors ça, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle une pointe sèche. Et ça permet en fait de mesurer les distances sur la carte. Et là, il nous reste quelle distance à parcourir? Alors, les marins utilisent non pas les kilomètres pour mesurer les distances, mais une unité qui s'appelle le mille nautique. Et nous, il nous en reste 50. Donc normalement, on devrait arriver cette nuit. Trop bien. J'ai bien compris, nous on donne le cap à Temanu qui est le barreur, mais lui comment il fait pour suivre son cap? Alors Temanu, comment est-ce que tu fais pour suivre ton cap? Eh ben, tu vois Victor, l'instrument qu'on utilise quand on a la barre d'un bateau, c'est un compas. C'est celui qui nous donne la direction à suivre. Bonjour les petits explorateurs navigants. Salut! Alors on est arrivé aux îles Canaries et là aujourd'hui on est en train de faire route sur notre petite annexe vers la capitale de ces îles qui s'appelle Las Palmas. Et on va vous faire un petit reportage pour faire découvrir cette ville. Quand on est des petits explorateurs et qu'on veut découvrir le monde, et ben il faut s'intéresser aussi à l'histoire. Et là, on se trouve dans un endroit qui est plein d'histoire. On est devant une maison qui s'appelle la Casa Colón, et donc qui est très belle, donc qui a une architecture vraiment typique des îles Canaries. Et elle s'appelle comme ça parce qu'elle est très connue pour le passage trois fois de Christophe Colomb. Alors vous connaissez tous sûrement Christophe Colomb, c'est un explorateur qui vient de Gênes et qui est très connu parce que c'est lui qui a découvert le nouveau continent, qui a découvert l'Amérique. Et alors, on peut voir sur la plaque qui est ici,
Et Christophe Colomb a séjourné trois fois dans cette maison. Christophe Colomb, donc, il a séjourné trois fois. La première fois lors de sa première traversée en 1492, et puis lors de la deuxième et de la quatrième en 1493 et en 1503. Alors les enfants, donc en ce moment on est aux îles Canaries, qui a un archipel type volcanique. C'est des volcans qui ont fait sortir les îles de sous les mers. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le nom des îles Canaries, ça vient pas du canard, mais ça vient du latin. Et du latin canariae, qui veut dire chien en fait. Vous connaissez tous par exemple le mot canin, et ben ça vient de là aussi. Et c'est pour ça que c'est hyper important les chiens dans la symbolique des Canaries. Et là, on est devant la cathédrale Sainte-Anne, et donc il y a ces statues de chiens qui sont hyper connues. Et on peut voir aussi que sur le blason des îles, et ben on a également deux chiens qui sont représentés. Alors les Canaries, et ben, en fait on les connaît depuis assez longtemps. Il y avait un peuple autochtone là-bas qui s'appelle les Guanches, et en fait c'est un peuple de Berbères donc, qui habitait sur l'île. Et en fait ça a été redécouvert au 14e siècle par les Européens, par un explorateur génois qui s'appelle Lancelot Malvoisel. Et après sa redécouverte, et ben, la couronne de Castille a décidé de conquérir les îles, et donc il y a une guerre de conquête au 15e siècle qui a duré assez longtemps, une guerre donc entre les forces de la couronne de Castille et les Guanches, et qui s'est finie par une victoire de la couronne de Castille. Et donc maintenant cette île, enfin cet archipel appartient à l'Espagne, et donc on est en territoire espagnol, même si on est parti de Gibraltar il y a plus d'une semaine et qu'on a parcouru de nombreux milles en mer.